Sylvie Reviriego. La presse l'appelait la dépeceuse de Tours. Il faut dire que son crime est abominable. La victime est sa meilleure amie, son amie d'enfance. Elle l'a tuée et découpée en morceaux. Et elle a gardé la tête dans un seau. La tête qu'elle a finalement fracassée à coups de marteau et qu'elle a fini par cuire au four, position pyrolyse, à 350 degrés. Pourquoi ? On ne le saura jamais. Car Sylvie, mensonge ou simulation, prétend qu'elle est devenue amnésique, qu'elle a tout oublié. Elle prenait un cocktail de médicaments pour maigrir. Ces médicaments l'ont-ils rendue folle ? Sylvie a-t-elle été victime de ce qu'on appelle une psychose médicamenteuse ? Ou mérite-t-elle de passer une bonne partie de sa vie en prison ? Mardi 13 décembre 88, 11h. Sur le parking de l'hôpital Trousseau à Tours, les agents d'entretien font leur ronde quotidienne. Ils tombent sur deux sacs poubelles. Des sacs bleus, étranges. Ceux de l'hôpital sont généralement de couleur grise. Intrigués, les agents ouvrent les sacs. Et dans les sacs, il y a des morceaux de corps humain. C'est à cet endroit exact qu'ont été découverts les deux sacs poubelles contenant des membres du corps de la victime. Un employé les ayant ouverts, le directeur de l'hôpital a informé directement le service. L'inspecteur principal François Barbier, obligé par ses fonctions actuelles de témoigner à visage caché, se rend aussitôt sur place. On ouvre les sacs, que nous nous rendons compte qu'il y a dans un premier deux bras et deux bas de jambes d'un corps humain. Dans l'autre, nous apercevons un buste dont émerge un sein, donc nous avions affaire à un corps féminin. Il nous manquait une tête, il nous manquait un bassin, il nous manquait des cuisses. Les sacs ont forcément été déposés entre 9h et 11h du matin. Nous recueillons les témoignages des personnes qui stationnaient autour de ces sacs. Ces personnes ne nous apportent aucun élément et nous en restons là jusqu'au lendemain. Le lendemain, en fin d'après-midi, coup de téléphone à la police judiciaire. On a trouvé un troisième sac sur le parking d'un centre commercial, caché derrière un hangar. Nous avions affaire à un gros sac, trois sacs exactement, les uns dans les autres, déchirés vraisemblablement par un chien, et apparaissait une partie du bassin, et on s'est très rapidement aperçu qu'il s'agissait de la partie manquante du corps que nous avions retrouvé la veille. Le corps n'est pas entier, puisqu'il nous manque la tête. Un corps de femme sans tête. Voilà de quoi enflammer les imaginations. La nouvelle se répand vite. Le crime fait la une de la presse locale. Monsieur le juge, on vient de trouver un corps coupé en morceaux, sans tête, ce qui est évidemment de quoi enflammer les imaginations. Au début de votre instruction, est-ce que vous avez des pistes ? La façon dont le corps a été découvert, enfin, quand je parle du corps, des morceaux de corps ont été découverts, la piste criminelle tout de suite a été évoquée. À un moment, on se dit que c'est peut-être une blague d'étudiant en médecine. Oui, c'est ce qui a pu être... on a pu penser à cela dans la mesure où les sacs avaient été découverts près de l'hôpital, où il y avait la morgue et hôpital qui se trouve non loin de la fac de médecine. Bon, mais très très vite, je dirais, cette piste a été écartée et on a bien vu que on avait affaire à une affaire criminelle. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas similaires de corps retrouvés, coupés en morceaux dans la région ? Non. C'était la première fois qu'on avait une telle découverte. Maintenant que vous avez retrouvé ces bouts de corps, quelles sont les priorités de votre enquête ? Tout d'abord, déterminer qui est cette personne et à partir de là, voir qui a pu commettre ce crime. Il n'y a pas d'élément, a priori, dans les sacs qui puisse nous donner l'identité de la victime. Non, aucun, puisque le corps est découvert nu. Il n'y a pas d'effet, pas de vêtements ? Non, pas d'élément d'identification autre que le corps lui-même. Les médecins légistes vont donc devoir reconstituer le corps.
et rechercher tous les indices corporels qui permettraient de l'identifier. À ce moment-là, on ne peut pas dire de quelle façon cette personne est morte. On sait simplement donc qu'il s'agit d'un corps de femme, découpé, vidé de son sang, lavé. Des coupures faites à l'aide d'une lame fine sur la face interne, donc des poignets. On a sectionné les veines de la victime. Sa mort est récente. Dans ce qu'il reste de sang, on retrouve la trace d'un neuroleptique et celle d'un médicament non identifié. Les policiers de l'identité judiciaire viennent relever les empreintes digitales de la victime. Mais vérification faite, elles ne correspondent à aucune empreinte contenue dans le fichier de la PJ. Outre donc certaines particularités ont été découvertes, une mycose apparente par des taches au niveau du torse et du dos. La police lance un appel à témoins dans le journal local, La Nouvelle République, en insistant sur les signes particuliers. 4 jours plus tard, elle reçoit un appel anonyme. Une voix de femme indique que la victime dont parlent les journaux pourrait être une certaine Françoise Gendroux, domiciliée à la Vallée Violette. Il n'y a pas plus de détails et donc immédiatement donc, un des enquêteurs effectue des recherches et trouve une certaine Françoise Gendron, domiciliée à la Vallée Violette. Les policiers débarquent chez Françoise Gendron. Personne. Alors ils font le tour des voisins. Ça fait plusieurs jours que personne ne l'a vue. L'enquête de voisinage ayant établi que cette personne n'était plus là depuis plusieurs jours, que son chat était néanmoins à l'intérieur de l'appartement mais non nourri, nous avons donc décidé d'opérer cette perquisition afin tout simplement de vérifier si la personne occupant les lieux correspondait à la victime. Les enquêteurs demandent le renfort d'une équipe de la police scientifique. Puis il force la porte et entre dans l'appartement. Dans l'appartement, à l'entrée des lieux, donc un certain désordre était dans la cuisine. Je veux dire par là que certaines choses paraissaient avoir été bousculées, de la vaisselle était tombée. Très très vite, donc, des empreintes ont été relevées, plusieurs empreintes ont été relevées, les premières sur un appareil téléphonique, et cette empreinte correspondait à l'index gauche de la victime. Donc nous savions dès ce moment-là que l'appartement était bien celui de la victime. 5 jours après la découverte des sacs sur le parking de l'hôpital, la femme coupée en morceaux a une identité. L'appel anonyme disait vrai. Il s'agit de Françoise Gendron. Une femme de 38 ans, qui vivait seule depuis que son fils était parti au service militaire. En fin de perquisition, nous avons aperçu donc un jeune homme qui semblait observer l'appartement, jeune homme que nous avons interpellé et qui s'est avéré être l'ami du moment de la victime. Cet homme se prénomme Yves et il raconte aux policiers avoir vu Françoise Gendron pour la dernière fois le lundi 12 décembre, veille de la découverte du corps. Il est parti, dit-il, vers 8h du matin pour aller travailler. Il devait se retrouver le soir même. Alors qu'il était arrivé, elle n'était pas là, il s'était installé, avait préparé le repas. Et vers 20h, alors qu'il regardait la télévision, un coup de fil avait sonné. Une voix de femme lui avait dit tout simplement « Françoise est partie à Fromentine pour 8 jours, ne l'attendez pas. » Fromentine, en Vendée. Françoise y avait des amis et elle allait parfois leur rendre visite, mais en général, elle le prévenait. Pas cette fois. Alors Yves, de colère, renverse un plateau dans la cuisine, puis il rentre chez lui. Voilà donc l'explication du désordre. Parmi les connaissances de Françoise, les policiers rencontrent un certain Christian, un garçon qui devait faire chez elle des travaux de tapisserie. Le lundi matin, vers 10h, le jour du meurtre, il est passé déposer du papier peint chez Françoise. Une femme qu'il ne connaissait pas lui a ouvert la porte et lui a dit que Françoise était dans son bain. Alors Christian a patienté
Et Françoise, enfin sortie du bain, lui a raconté qu'elle venait de passer à deux doigts de la mort. Qu'elle a failli s'électrocuter. Son amie a fait tomber le sèche-cheveux dans le bain. Elle a pris une sacrée châtaigne. Elle paraît soulagée. Les policiers trouvent le témoignage de Christian crédible et retrouvent le sèche-cheveux, le fil dénudé. Une fois visité l'appartement, vous avez une première piste, c'est Yves, le copain qui est là devant l'appartement. On a tout de suite écarté cette piste-là parce que, je dirais, lors de son audition, on a vu que véritablement il tombait des nues. Il n'avait pas de mobile, rien. Quelqu'un qui ne faisait que passer, je dirais. Comment vivait Françoise Gendron ? C'était une femme célibataire. Elle vivait, je dirais, comme une femme de son âge. C'est une femme qui sortait, qui était assez enjouée, qui avait des amis. Un peu bringueuse. Elle allait en discothèque. Bon, il y avait une discothèque de Tours où elle était souvent. Bon, voilà, mais rien de particulier à cet effet. Donc, classiquement, comme dans toute enquête, vous faites ce qu'on appelle l'entourage. C'est-à-dire que vous voyez tous les gens qui connaissaient Françoise Gendron. Oui, tout à fait. Ça donne quoi ? Une de ses amies nous met sur la piste d'une connaissance de Françoise, une prénommée Sylvie Réverigo, en nous indiquant que ça serait elle qui serait à l'origine du meurtre de Françoise. Sylvie Réverigo, ça pourrait être aussi cette femme qui a ouvert la porte à l'homme qui venait porter du papier peint. Oui, on le saura après. Sylvie Réverigo. Une copine de Françoise. Enfin une piste. C'est à ce moment-là que leur parvient un deuxième appel anonyme. Toujours une voix de femme qui leur parle, elle aussi, de Sylvie Réverigo. Cette femme était particulièrement affolée parce que Sylvie Réverigo lui avait rapporté que les auteurs de la mort de Madame Gendron étaient le fait de deux hommes. Un certain Michel et un certain Luc, qui était, a priori, selon elle, l'amant de Sylvie. Les policiers établissent que Sylvie Réverigo était une amie de Françoise Gendron, une amie proche, avec qui elle faisait la fête, souvent accompagnée de deux copains commerçants, prénommés Michel et Luc. Françoise et Sylvie étaient toutes les deux divorcées et ne travaillaient pas. Françoise était au chômage et Sylvie était en arrêt maladie depuis 6 mois pour une sciatique. Alors elle sortait presque tous les soirs dans les bars et les restaurants de Tours. Après quoi, elle faisait souvent la fermeture des boîtes de nuit. En général, c'est Luc et Michel qui réglaient l'addition. Mais la petite bande s'était fâchée récemment. Françoise menaçait de dénoncer Luc et Michel pour de supposées histoires de drogue et de voitures volées. C'est ce que Sylvie aurait raconté à la voix anonyme. Elle parle toujours de ce que Françoise s'est mise dans un sale pétrin, qu'il faudrait qu'elle déguerpisse, qu'elle s'en aille, ils vont la zigouiller. La voix a raconté aux policiers que Sylvie Réverigo était complètement obsédée par l'assassinat prochain de Françoise Gendron. Elle ne cessait de dire que Michel et Luc allaient lui faire la peau. Elle avait même décrit le mode opératoire. Pour éliminer Françoise Gendron, il faut commencer par la shooter et ensuite, donc la rendre inconsciente, et ensuite la saigner. Et il suffit aussi peut-être de jeter un sèche-cheveux dans le bain de la victime. Et il suffit, pour ne pas qu'on connaisse la victime, eh bien de lui couper la tête et les dents. La voix raconte qu'elle a d'abord cru à une farce, mais qu'après la mort de Françoise, sa fille est allée prendre le café chez Sylvie et qu'elle a eu une drôle de surprise. Elle va au WC et elle ressort des WC en disant au fils de Sylvie Réverigo, tiens, c'est drôle, on dirait qu'il y a des dents dans la cuvette des WC. Le gamin y va et c'est un gamin, bien sûr, tout jeune, c'est un gamin, plonge la main et il retire effectivement des dents. Ça n'était pas des dents, mais deux couronnes en or. Sylvie, elle est restée évasive. Elle dit que ça pouvait être des dents laissées là lors d'une dispute d'ouvriers qui avaient travaillé. Maintenant,
Grâce à cette balance, cette collègue de Sylvie Reviriego, les policiers ont trois suspects. Sylvie, Luc et Michel. Et concernant Luc et Michel, un mobile, la victime, François Gendron, menaçait de les dénoncer pour trafic de drogue et vol de voiture. Il faut donc les interpeller, tout de suite, les placer en garde à vue et les cuisiner. 8 jours après l'assassinat de Françoise Gendron, Michel et Luc sont cueillis devant leur solderie alors qu'ils déchargent de la marchandise. Michel et Luc ne sont pas des voyous à proprement parler, mais sont des garçons qui sont ont des commerces de solderie. Peut-être ont-ils des choses à se reprocher. En tout cas, les premières réactions font que cela ne se passe pas très bien, en ce sens que Luc commence par déclarer qu'il ne connaît aucune Sylvie, alors qu'il en est l'amant. Pendant que Michel et Luc sont sur le grill, l'équipe de l'inspecteur François Barbier se rend chez Sylvie Reviriego. Il est 9h30 du matin. Nous frappons à la porte, celle-ci nous est ouverte par une femme blonde qui paraît à la fois surprise, mais en même temps nous regarde avec un air relativement hautain. Et quand nous lui disons que nous allons procéder à une perquisition dans son appartement, elle ne s'y oppose pas. Et là, j'ai face à moi une femme avec un regard très froid. La perquisition commence par la salle de bain, en présence de Sylvie Reviriego. Dans cette salle de bain, qu'est-ce que l'on trouve ? Derrière la porte, dans une blouse blanche, un porte-monnaie dans lequel on trouve 2 couronnes dentaires en or. Tout de suite, on interroge Sylvie Reviriego. Elle nous dit que c'est les choses qu'elle a trouvées, elle ne sait pas pourquoi, mais c'est elle qui les a mises là. Poursuivant nos opérations, je trouve, en ouvrant la trappe de sécurité qui permet d'accéder sous la baignoire, je trouve un pot de joaillerie pour entretenir les bijoux, dans lequel, à l'ouverture, on s'aperçoit qu'il est plein de bijoux, dont ceux qui étaient ceux de François Gendron, d'après les descriptions que nous avons des bijoux qu'elle portait, et notamment celui d'une petite chaîne avec un corps humain articulé en pendentif. Là également, elle nous dit dans un premier temps qu'elle ne comprend pas pourquoi ça se trouve là. Partant de là, je commençais vraiment à avoir une certitude qu'on était très 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 proche du but. Et dans ce cas-là, eh bien, on regarde encore d'un peu plus près et je m'aperçois qu'il y a des taches un petit peu brunâtres sur les tuyaux d'évacuation du lavabo qui est proche de la baignoire, que en soulevant les dalles plastiques au pied de la baignoire, eh bien, on fait apparaître également des petites taches brunâtres, très peu. On voit qu'un liquide brun a coulé là. Donc eh bien, on saisit toutes ces pièces-là. Sylvie Reviriego est conduite dans les locaux de la PJ de Tours et placée en garde à vue. Elle est interrogée par le commissaire Claude Perveri et l'inspecteur François Barbier. Et elle avoue, oui, le crime a eu lieu chez elle. Mais dit-elle, ça n'est pas moi qui l'ai commis. Mon rôle a été simplement d'attirer François chez moi, de la shooter et de leur laisser. J'avais laissé mes clés dans ma boîte aux lettres pour qu'ils pénètrent chez moi et fassent ce qu'il y avait à faire, c'est tout. Elle nous désigne ce fameux Luc et Michel comme les coupables. Michel est justement interrogé dans la pièce d'à côté. Les policiers ne lui ont pas encore dit pourquoi il l'avait arrêté. Il tourne autour du pot. Est-ce que tu, cette semaine, t'étais sur Tours ? Oui, j'étais sur Tours. Est-ce que tu as lu La Nouvelle République ? Je dis oui, j'ai lu La Nouvelle République. Rien vu de spécial ? Je dis non, pas spécial. Ah, je dis si, j'ai vu un truc en première page dans la NR, une femme qui a été trouvée sur le parking de l'hôpital Trousseau à Tours, dans des sacs différents, en morceaux. J'ai dit, tiens, c'est encore un chirurgien qui s'est trompé et qui a découpé, puis qui a mis à la poubelle, en plaisantant. Michel ne va pas rire longtemps. Pour le tester, les policiers lui montrent, sans rien lui dire, les photos du cadavre. C'est un choc. Michel apprend que la victime est Françoise Gendron et que l'accusé, c'est lui.
Puis en plus, ils m'ont fait voir les... Ils m'ont mis les photos sous le nez en me disant voilà ton travail. Vous, vous dites simplement une chose, vous dites mais vous êtes malade, ça va pas, c'est impossible, c'est une catastrophe, une boucherie. Michel et Luc, quand on les entend, ils entendent de tout baba, ils n'ont jamais eu de problème avec Françoise. Françoise est une bonne copine de boîte, ils sortent, ils boivent, ils font des bonnes soirées, tout se passe bien. Il n'y a rien qui peut laisser penser qu'il y a une maille à partir avec l'un et l'autre. Ce sont leurs témoignages, ils peuvent mentir. Mais nous avons quand même opéré des vérifications en boîte, nous savons quel est le comportement de Françoise en boîte, il n'a jamais eu de problème de bagarre ou de discussion, ou de rien. Tout cela ne collait pas. Très vite, les policiers écartent la piste, Michel et Luc. Ils ont un alibi et ils n'ont pas la carrure ni le profil. Il reste un suspect, ou plutôt une suspecte. Sylvie Reviriego. Progressivement, au vu de ce qu'on lui disait, on lui disait « mais ça, ça ne va pas, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible ». Sylvie Reviriego a modulé dans un premier temps, jusqu'au moment où elle a dit « non, j'en peux plus ». J'ai besoin de vous dire la vérité. Elle a dit je n'arrête pas de vous mentir. Finalement, c'est moi qui ai tué. Et là, pratiquement d'un trait, sans que on ait besoin de poser des questions, dites questions subsidiaires, ou c'est elle qui nous livre le film complet de ce qu'elle a fait, donc le lundi 12. Commencé en fin de soirée. Les aveux vont s'étirer dans la nuit. Pendant 3 heures, Sylvie Reviriego raconte son crime en détail, spontanément, calmement. Les phrases jaillissaient purement et simplement, mais par moment. C'était une suite de mots ou une suite de phrases courtes et un silence. Sylvie Reviriego raconte que le lundi 12 décembre, elle s'est rendue chez Françoise Gendron dans le but de l'éliminer. Elle l'a trouvé dans son bain. Elle a tenté de l'électrocuter en jetant un sèche-cheveux dans l'eau. Mais ça n'a pas marché. Un copain de Françoise est venu apporter du papier peint. Alors elle a décidé de quitter les lieux et de ramener Françoise chez elle pour finir le travail. Elle était devenue obsédée par l'idée qu'il fallait que son amie Françoise disparaisse. Et elle dit que depuis le matin, elle était excédée par Françoise. Les jérémiades de Françoise. Le mot qui revient maintes fois dans les propos de Sylvie, c'est les jérémiades de Françoise, je n'en pouvais plus. Françoise Gendron accepte de venir chez son amie pour essayer un bustier que Sylvie, bonne couturière, lui a confectionné. Mais d'abord, Sylvie Reviriego lui sert un thé. Dedans, elle glisse des comprimés de Lexomil. Le cocktail fait vite son effet. Françoise se sent très mal et commence à somnoler. Nous sommes en fin de matinée et Sylvie propose à Françoise d'aller se coucher et la met dans son lit, dans sa propre chambre. Il est midi, les enfants de Sylvie vont rentrer de l'école et ils vont voir Françoise malade. Sylvie Reviriego vit avec sa fille de 16 ans et son fils de 14 ans. Elle leur explique que Françoise a bu un coup de trop et qu'elle n'est pas en forme. Les deux adolescents déjeunent puis repartent en cours. Après le départ du fils, là, Sylvie entraîne Françoise vers la salle de bain, lui fait reprendre à nouveau un breuvage, toujours le même, et elle, sous prétexte que de lui faire du bien, lui dit qu'il va prendre un bain, et donc l'amène jusqu'à la baignoire. Là, Françoise est shootée, elle est complètement shootée. Et quand elle est dans le bain, elle lui appuie sur la tête et elle lui met la tête sous l'eau. Sylvie pense qu'elle l'a noyée parce que Françoise ne se débat pas. Et elle s'assoit sur le bord de la baignoire. Et là, Sylvie dit « je m'empare du scalpel et je lui sectionne les deux veines ». Le scalpel attendait sur le rebord de la baignoire. Sylvie l'a volé à l'hôpital où elle travaille comme aide-soignante. Ensuite, elle fait couler l'eau pour que le sang parte. Donc, lorsque le sang est vidé, donc elle retire, avec sans doute beaucoup de difficultés, le corps. Elle essaye de le découper. Mais un scalpel,
ça n'est pas l'outil idéal pour ce genre de besogne. Sylvie Reviriego décide de reporter le dépeçage à plus tard. Elle range la lame, elle tire le corps sur le balcon de sa propre chambre. Elle enveloppe le cadavre d'une couverture. Le balcon en bois est à peine ajouré. Personne ne le remarque. Ensuite, elle essaye d'effacer les traces de son crime. Et ensuite, donc, elle nous dit qu'elle lave ses affaires. Elle lave ses affaires, les chaussures qu'elle a, qui sont pleines de sang. Elle met tout ça à la machine à laver. Et donc, les enfants arrivent. Sylvie Reviriego prend quand même le temps de téléphoner à Yves, le compagnon de Françoise, pour lui dire qu'elle est partie à Fromentine, en Vendée. Puis il est temps de préparer l'anniversaire de son fils qui a lieu le soir même, avec une dizaine d'invités. Sylvie doit d'ailleurs aller chercher sa mère. Elle en profite pour lui emprunter des outils. Lorsqu'elle arrive chez sa mère, elle demande à sa mère si elle n'a pas le grand couteau de chasse de papa, celui qui lui servait à découper la viande. Sylvie emprunte également un hachoir. L'anniversaire est très réussi. Même si le fils de Sylvie est un peu déçu, sa mère a oublié de lui acheter un cadeau. Elle se montre très gaie, mais à un moment, elle fait une réflexion bizarre. « Je me suis foutu dans une drôle de galère. » La fête se termine. Le cadavre est toujours sur le balcon. Françoise est sur le balcon, la mère se couche, le lendemain les enfants repartent à l'école et là, donc, elle qui ne travaille pas à ce moment-là, reprend tout simplement son travail. C'est-à-dire qu'elle entreprend de poursuivre le dépeçage, mais cette fois-ci avec le couteau de son père. La première des choses qu'elle nous dit faire, c'est de elle coupe la tête. Elle donc détache la tête du corps et, nous dit-elle, elle la met sous un seau pour ne pas la voir. Puis elle enfile sa blouse blanche d'infirmière et commence à découper le corps sur le balcon. Il est 7h30. Il lui faudra à peine 2 heures pour achever son œuvre macabre. Elle commet un acte chirurgical. Elle ne s'est pas trompée. Lorsqu'elle a séparé le tronc du bassin, lorsqu'elle a supprimé les bras des épaules, quand elle a supprimé les genoux. Et d'ailleurs, elle nous le dit, j'ai cherché l'endroit où je pouvais. Au fur et à mesure, elle met les morceaux dans des sacs poubelles. Et comme elle manque de sacs, elle se rend en voiture au centre commercial, tout près de chez elle. Elle ira tout simplement faire quelques courses pour acheter des sacs poubelles, puisqu'elle n'en a plus. Mais en même temps, lui dit-elle, elle fait des courses, parce qu'il faut bien manger, à midi. De retour chez elle, Sylvie Reviriego finit de remplir les sacs. Vers 11h, elle va en déposer 2 sur le parking de l'hôpital Trousseau, à 10 minutes de chez elle. Reste le troisième sac, qui contient le bassin et les cuisses. Après déjeuner, elle s'en occupe avec l'aide de son fils. Lui demande de l'aider à descendre le sac jusqu'à sa voiture parce qu'il est lourd et comme il a un mal de dos, donc son fils l'aide à porter le sac. Bien sûr, son fils ignore que dans le sac, il y a le reste des membres. Le dernier sac est déposé dans une zone commerciale toute proche, derrière un hangar. Mais il reste un détail à régler. Il reste la tête. Et la tête, donc, bien sûr, elle l'a laissée sur le balcon, sous le seau, mais enveloppée. Donc, et tous les soirs, pendant 3 soirs, elle va donc s'attacher à détruire la tête. Et elle va, à coups de marteau, taper sur cette tête, sans forcément la regarder de ce qu'elle dit. Mais elle essaye d'éliminer tout ce qui peut être éliminé de facilement, à savoir les chairs, tout, de façon à réduire cette tête en bouillie. Cette tête qui l'agace tellement que, même lors de ses aveux, pourtant calme et posée, elle s'énerve dès qu'on l'évoque. Et là, elle a une gestuelle que j'ai en mémoire, je la revois, cette gestuelle de taper, de taper, de taper, de taper, de taper. Mais cette tête, décidément, résiste. C'est difficile.
c'est difficile, elle n'y parvient pas. Donc elle arrive à tirer et gérer les partières molles. Elle en jette, nous dit-elle, dans les WC, ainsi que les dents. Des dents seront retrouvées, mais elle n'arrive pas à détruire le crâne. Et le deuxième soir, comme elle n'y arrive pas, elle, dans ses aveux, elle me dit « J'ai décidé de la mettre au four et de la faire cuire à 350 degrés. » Ce sont ses propres mots. Elle a attendu que les enfants soient couchés. Elle a mis ça dans un grand plat en inox, dans le four. Elle a mis le four en pyrolyse. Elle est allée se coucher. Et elle a très bien dormi, comme elle dit. J'ai dormi de plomb. Et là, moi, je me rappelle, avec Barbier, nous nous sommes regardés en lui disant « Elle nous raconte des histoires. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ?» Sylvie Reveriego dit s'être débarrassée des restes du crâne le vendredi, 5 jours après le crime. En conduisant son fils chez son père, elle s'est arrêtée le long de la Vienne, la rivière qui traverse Chinon. Elle y a jeté les morceaux de crâne sous le pont de chemin de fer, devant son fils. Son fils, à son fils qui lui demandait « Qu'est-ce que tu fais, maman ?» Elle lui a dit qu'elle jetait des détritus qui sentaient mauvais. Les policiers vont rechercher la tête à l'endroit indiqué. La chance a voulu qu'à l'endroit où ils ont été jetés, il y avait un banc de sable où le courant ne passait pas réellement, de sorte que les sapeurs-pompiers qui sont intervenus ont retrouvé les os dans un périmètre très très restreint, tous les os entièrement jetés. Et c'est ainsi que pratiquement tout le crâne a pu être reconstitué. Une expertise a été faite, bien sûr, et qui a confirmé ce à quoi nous croyons pas au début, savoir que le crâne avait effectivement été porté à haute température. À l'aube du mardi 21 décembre, 8 jours après le crime, Sylvie Reveriego est inculpée de meurtre avec préméditation. Elle répète que Françoise Gendron l'exaspérait. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment elle avait fait ça. C'était bien elle qui l'avait fait, mais qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle l'avait fait. Pas comment, mais pourquoi elle l'avait fait. Pourquoi? C'était pas normal. Et elle nous a dit, c'est pas normal d'avoir fait cela. Sylvie Reveriego renouvelle ses aveux sans difficulté devant le juge d'instruction. Régis de Jorna, Sylvie Reveriego vient d'avouer aux policiers. Comment ça se passe avec vous ? Elle m'indique qu'elle confirme les déclarations qu'elle avait faites au service de police et elle va détailler du début jusqu'à la fin tous les aveux qu'elle avait faits. Quand elle vous raconte tout ça, elle le fait de manière... Elle est émue ou elle est froide ? Très froide. Sans véritable émotion, sauf à un moment qui va être... le moment où elle va me raconter comment elle détruit la tête. Elle va montrer une passion, mais une passion presque, je dirais pas haineuse, mais très, très forte, alors que sur le déroulement des faits, y compris sur le dépeçage du corps, je dirais elle le racontera de façon très froide. Comment est-ce que vous comprenez le dépeçage de ce corps ? Ce dépeçage est particulier. On n'est pas dans le cadre d'un dépeçage défensif. On ne dépèce pas pour rendre plus facile le transport du corps. Voilà, c'est ça. Là, on est beaucoup plus dans un dépeçage offensif, c'est-à-dire vouloir mutiler, vouloir défigurer, vouloir nier non seulement la personne, mais le cadavre. J'imagine que vous lui posez la question du pourquoi, c'est-à-dire du mobile. Enfin, pourquoi avoir tué cette femme et lui avoir infligé de telles barbaries ? Sylvie nous dit, Françoise, elle était toujours à quémander, je dirais, il fallait toujours de l'argent, elle était toujours à m'embêter et autres. Je ne pouvais plus la supporter et l'idée m'est venue à ce moment-là de la supprimer. Est-ce qu'elle vous paraît équilibrée ? Enfin, c'est étonnant de poser la question comme ça. Ou est-ce qu'elle vous paraît folle ? En tout cas, elle me paraît, elle paraît comme quelqu'un, je dirais, qui sait très bien ce qu'elle dit. Déterminée, avec, je dirais, un raisonnement, je dirais, qui ne pose pas de questionnement. Sylvie Reveriego est écrouée à la maison d'arrêt d'Orléans dès le lendemain de ses aveux. Le même jour, elle reçoit la visite de 2 psychiatres, André Martin et Jean-Michel Masson.
Ils doivent déterminer si elle est accessible à une sanction pénale ou si elle relève de l'article 64 du Code pénal qui, à l'époque, considère comme irresponsables ceux qui sont en état de démence au moment des faits. Le docteur Masson comme moi-même, on s'attendait à trouver une malade mentale devant nous. Et nous avons eu la surprise de nous trouver face à une personne totalement lucide, cohérente dans son discours, pouvant détailler tous les faits comme ils se sont passés, détailler en même temps les relations familiales, sociales, et s'apprêtant à reprendre normalement son travail quelques jours après les faits. Comme elle l'avait fait devant les policiers et devant le juge d'instruction, Sylvie Reviriego raconte son crime pour la troisième fois, toujours en détail et dans la chronologie. Et elle n'oublie rien. Elle tenait un discours tout à fait cohérent, tout à fait adapté, une gestuelle tout à fait en accord avec le contenu du discours. Il n'y avait pas d'hyper-expressivité, il n'y avait pas de tonalité dépressive, ni de l'humeur, ni de l'attitude en général. Cette première impression était plutôt en faveur d'une personne tout à fait dans la norme, qui n'avait pas de trait de personnalité pathologique marquant, ni dans le sens du délire, ni dans le sens d'hallucination, ni dans le sens d'un déficit intellectuel, par exemple. Sylvie Reviriego pourrait-elle être normale et avoir soudain perdu tout contrôle? Était-elle consciente de la violence et de la folie de son crime? A-t-elle pu être victime de ses pulsions? On n'est pas du tout dans ce registre-là, dans un registre d'un déroulement extrêmement organisé, extrêmement méthodique des faits. Pendant l'acte, elle a eu un comportement d'une lucidité extraordinaire, en découpant le cadavre, en donnant le change, en échappant aux soupçons, en ne se privant pas d'essayer de faire porter les soupçons sur d'autres lorsque la police a commencé à s'intéresser à elle, avec quand même un aplomb remarquable, puisqu'il y a même eu des phrases qui sont citées dans le dossier. Lors d'une spaghetti party au restaurant entre amis, alors qu'elle n'était pas encore interpellée, bien entendu, et que les gens parlaient de ça, les amis parlaient de ce fait-là dans les médias, ils disaient, mais disons, celui-là qui a fait ça, et ça doit être un pro. Elle parlait d'elle-même. Les psychiatres étudient les circonstances du crime. Le dépeçage leur apparaît surtout utilitaire, car il est plus facile de se débarrasser d'un corps en morceaux que d'un cadavre entier. En revanche, l'acharnement post-mortem sur la tête est exceptionnel. Ça contient une énorme violence, un énorme ressentiment. C'est quelque chose qui est animé quand même par une force intérieure de destruction, une volonté de supprimer, d'effacer totalement une image vécue comme intolérable. Donc, voilà une femme qui vient d'avouer trois fois de suite un crime horrible. Une fois devant les policiers, une fois devant le juge, une fois devant les experts psychiatres qui, a priori, ne la trouvent pas folle. Mais alors pourquoi? Quel est le mobile? En fouillant dans la vie de Françoise et Sylvie, les policiers découvrent que toutes les deux étaient amies depuis l'adolescence. Mais qu'avait donc Françoise Gendron pour susciter une telle haine de la part de Sylvie Reviriego? Les deux femmes étaient nées toutes les deux en Touraine, à un an près. Sylvie en 51 à Orbigny. Elle était l'aînée d'une famille unie et plutôt heureuse, de quatre enfants. Le père, boulanger, la mère, au foyer. Une enfance marquée par un drame. Elle a eu cette poliomyélite à l'âge de 18 mois. Il en est resté des séquelles au niveau de la jambe. À l'école, tous les enfants se moquaient d'elle. Patte de bois, c'était son surnom dans la cour de récréation. Car la petite Sylvie Reviriego était affublée de chaussures orthopédiques à tige montante. Le surnom est resté gravé dans sa tête. Et si, à l'âge adulte, elle n'a gardé de sa polio qu'une légère claudication, la blessure morale est restée vive. Cette malformation n'était pas, à mon avis, n'était pas absolument
majeur, enfin, mais dans son esprit, cela semblait prendre une grande importance. Sylvie Reveriego arrête ses études à 15 ans. Elle veut entrer dans la vie active. Elle débute dans un atelier de couture, comme piqueuse. Elle est douée et très travailleuse. Le week-end, elle retrouve sa copine, Françoise Gendron. Lorsqu'elles étaient jeunes, elles allaient au bal ensemble, elles sortaient ensemble. Bon, Sylvie avait eu la polio, avait un léger handicap d'une jambe. Françoise, elle, était très, très libérée, très jeune. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, Françoise était partie donc à Tours. Sylvie Reveriego s'était mariée, avait eu ses deux enfants et avait mené une vie assez bien rangée et qui correspondait parfaitement, à, je dirais, à son tempérament, puisque Sylvie était certainement, au départ, une fille réservée, pudique. Sylvie Reveriego mène une vie ordinaire à Chinon. Mais au début des années 80, l'usine de couture où elle avait très bien réussi dépose son bilan. Alors elle accepte un travail de nuit comme agent de service à l'hôpital de Saint-Benoît-la-Forêt. Ça l'intéresse, alors elle prend en charge les cas les plus lourds. Et elle se lance dans une formation d'aide-soignante. Elle est très bien notée par ses professeurs et obtient son diplôme en 87. Et ça tombe bien, parce qu'à partir de 88, elle ne pourra compter que sur elle-même. La vie de Sylvie a été quand même bousculée lorsque, bon, elle a appris que son mari, ou découvert que son mari l'avait trompée. Et a priori, elle n'a pas supporté. Et donc, elle a décidé de quitter son mari et est partie s'installer avec ses deux enfants. Donc à Tours. Et c'est à Tours où elle retrouve Françoise. Françoise qui, dans l'intervalle, a mené une vie, elle, différente. Bon, une vie faite de liberté, de petits boulots. Elle a eu un fils. Bon, elle n'est pas mariée. Et elle a l'habitude de sortir en boîte, d'aller en boîte, de profiter de la vie, de manger la vie à belles dents, de se faire inviter au restaurant, de se faire inviter éventuellement pour une nuit. Françoise Gendron entraîne sa copine de toujours dans sa vie de fêtarde. On les voit partout où on s'amuse. Sylvie Reveriego quitte sa vie bien rangée pour le désordre du monde de la nuit. C'était quelqu'un qui sortait 7 jours sur 7 tous les soirs. Bon, comme à l'époque, sur Tours, il y avait 7 ou 8 établissements. Et donc, tous les soirs, c'était les sorties nocturnes dans ce genre d'établissement. Une heure dans un, deux heures dans l'autre, jusqu'à la fermeture, en fin de compte. En boîte, elle trouve des hommes qui sont là, qui sortent. Françoise trouve, bien sûr, présente Sylvie à des hommes qu'elle connaît, puisqu'elle connaît quand même pas mal ce monde de la nuit. Mais Françoise est une fille, quand même, qui pense à elle d'abord et qui, je dirais, se réserve la plus belle part pour elle et laisse toujours à Sylvie l'autre part. Une rivalité s'installe entre les deux femmes. Elle est d'autant plus exacerbée qu'elle se voit le jour et la nuit. Elle noue une relation fusionnelle et exclusive où les hommes sont à la fois un enjeu et un sujet de discorde. L'homme s'intéressait à une des deux, l'autre systématiquement cassait la baraque, quoi. Mais flagrant, ça. Devant les deux psychiatres, Sylvie Reveriego raconte qu'au fil des mois, elle était passée sous la coupe de Françoise Gendron, au point qu'elle la détestait au moins autant qu'elle l'aimait. Elle l'a considérée comme plus heureuse qu'elle, avec une certaine... ayant mieux réussi qu'elle, et ayant des capacités de décision supérieures aux siennes, et pouvant s'imposer à elle. Elle ne pouvait plus lui dire non. Sylvie trouve Françoise vulgaire, chiante, collante. Elle n'aime pas son genre de vie, mais elle ne peut plus se passer d'elle.
et quand elle lui rend service, elle a le sentiment de se faire avoir. Mais elle ne sait pas dire non et par exemple, elle lui prête de l'argent. Elle ne sait pas, dit-elle, réclamer sa part quand Françoise revend des vêtements qu'elle a confectionnés et oublie de partager les gains. Elle ajoute que le sang-gêne et la légèreté de Françoise l'exaspèrent jusqu'à lui donner des envies de meurtre. Elle en avait ras-le-bol de la victime. Ras-le-bol, bien sûr, c'était son terme. Elle en avait ras-le-bol d'être victime de ses agissements. Mais c'est surtout le ras-le-bol vis-à-vis des exigences de la victime, en particulier au sujet de l'argent. Je pense qu'elle représentait ce qu'elle-même n'était pas et qu'elle aurait voulu être. Effet miroir, exaspération, le mobile reste flou et bien mince. Les deux psychiatres font passer un encéphalogramme et un scanner à Sylvie Reviriego pour vérifier l'état de son cerveau. Tout est normal. Ils épluchent son dossier médical. On y trouve une tentative de suicide en 83 suite à une mésentente conjugale. L'accusée a avalé des médicaments avec de l'alcool. Elle a dû suivre une psychothérapie. Le psychologue a noté que Sylvie Reviriego ne s'est jamais sentie heureuse et qu'elle est jalouse du bonheur des autres. Mais de là à tuer et à découper un corps... Maître Lison-Croze, à l'époque, vous devenez l'avocate de Sylvie Reviriego. Comment ça se passe la première fois que vous la voyez ? Je la vois environ 15 jours après son incarcération. Et je trouve quelqu'un qui est complètement à côté de la plaque, qui ne sait pas pourquoi il est là, qui me dit « je veux retourner à la maison ». Alors je lui montre les articles de journaux. Je n'avais pas encore les procès-verbaux de son audition, hein. C'était tout au début. Et elle me dit « mais c'est pas moi qui peux faire une chose pareille ». Ouais, parce que la presse la traite de monstre. Tout à fait. Et elle ne comprend pas pourquoi. C'est non. On peut aussi envisager que ce soit vous, son avocate, qui lui ait suggéré de simuler. Au fond, c'est une manière de s'en sortir. C'est parfois un moyen de défense, la simulation. Mais je peux vous dire que Sylvie était complètement étrangère à ce qui se déroulait dans les colonnes de la Nouvelle République, puisque c'est le journal local qui avait fait largement état de ses déclarations devant les services de police. Et vous, à ce moment-là, on est au tout début hein, de la procédure, comment est-ce que vous vous expliquez ce geste qu'elle a avoué et qu'elle semble avoir oublié ? J'explique rien du tout. Elle avait une vie, je veux dire, normale, quoi. Je pensais, bon, quelqu'un qui est normal avant, qui passe dans l'absurde et dans le crime froid... Il y a forcément une explication quelque part. Donc j'attendais. Il y a des expertises qui sont en cours. J'attends les résultats des expertises. Car dans le dossier médical de Sylvie Reviriego, les docteurs Martin et Masson sont tombés sur de drôles d'ordonnances. On y trouve prescrit un curieux mélange de médicaments. Les boîtes entamées sont retrouvées dans la cuisine de Sylvie. Elle les prenait depuis 6 mois dans le but de maigrir. Elle avait d'ailleurs perdu 12 kilos. Aurait-elle pu aussi perdre la tête sous l'effet de ce cocktail explosif ? Le juge demande l'avis d'un toxicologue et d'un endocrinologue. Dominique, que dit le rapport de l'endocrinologue et du toxicologue qui ont été sollicités par les experts psychiatres ? Ce rapport, Christophe, je l'ai ici, vous me permettrez de m'y référer parce qu'il est techniquement quand même assez compliqué. L'ensemble des médicaments qui ont été prescrits à Sylvie Reviriego par son médecin présente un véritable danger sur le plan cardiaque. Alors, je vous lis ce que dit le pharmacologue. On trouve dans ces ordonnances la redoutable association de diurétiques, d'extraits thyroïdiens, d'amphétaminiques anorexigènes et de benzodiazépines. Pourquoi l'expert écrit-il « redoutable association » ? Parce que sur le plan cardiaque, ça peut présenter un véritable danger. Et il s'en explique, le médecin. Il explique que les personnes auxquelles on donne ce type de médicaments sont des personnes qui veulent maigrir. Il écrit « Des célébrités en sont mortes et meurent encore de nos jours de ces effets cardiaques toxiques ». Non mais là, vous me parlez d'effets cardiovasculaires.
Nous, ce qui nous intéresse, sont les effets sur le psychisme de Robert Yego. Alors, pour ça, les experts vont les prendre un à un. Et écoutez ce qu'ils disent à propos des extraits thyroïdiens. L'expert dit qu'il peut entraîner des troubles psychiques, c'est-à-dire des délires, des pertes de contact avec la réalité, mais uniquement chez des personnes qui étaient déjà en état de démence auparavant, au moment où elles ont pris ces médicaments. Ce qui n'est pas le cas de Sylvie Reviriego. Les amphétamines, ça peut provoquer des troubles du sommeil et un peu de nervosité. Quant aux benzodiazépines, ce sont des anxiolytiques, des tranquillisants. Ça peut jouer sur la mémoire, mais seulement, écrivent les experts, sur la mémoire rétrograde, c'est-à-dire que l'on peut oublier des événements qui se sont produits, là encore, avant la prise des médicaments. Mais est-ce qu'un médecin, alors, a le droit de prescrire un tel cocktail détonnant de médicaments ? En principe, non, Christophe. Et pour cette raison-là, le médecin de Sylvie Reviriego va être interdit d'exercice de la médecine pendant 3 mois par l'Ordre des médecins. Les psychiatres ont vu Sylvie Reviriego une première fois pour en quelque sorte se faire une impression. Ils vont la voir une deuxième fois, 15 jours plus tard. Et là, changement de ton. Elle leur répète ce qu'elle a déjà dit à son avocate, elle a tout oublié. Elle n'a aucun souvenir, ni du meurtre de son amie Françoise, ni de la découpe du cadavre, ni de la destruction et de la cuisson de la tête. Mieux, elle ne se rappelle même plus avoir déjà rencontré les psychiatres. Alors, vraie amnésie ou numéro d'actrice ? Sylvie Reviriego a quand même quelques souvenirs. Elle se souvient d'avoir fêté l'anniversaire de son fils, mais pas d'avoir tué Françoise Gendron. Elle se souvient d'avoir jeté un sac d'os dans l'eau, à Chinon, mais pas qu'il s'agissait de la tête de la victime. Les psychiatres doutent de l'authenticité de son amnésie. Quand vous avez commis un acte horrible, vous savez, vous n'avez pas très envie de vous en souvenir, et que le conscient donne un gros coup de pouce à l'inconscient pour mettre ce souvenir-là au fin fond de votre tête, de votre cerveau. Ce qu'on appelle, ça vous permet de faire l'économie d'un sentiment de culpabilité, puisque inconsciemment, vous effacez le souvenir. Mais je dis bien, l'inconscient est bien aidé par le conscient. On a donc là, elle a choisi cette solution-là, hein, plutôt que de se suicider ou de jouer la carte de la dépression, etc., eh bien, elle a joué la carte de l'effacement du souvenir. Ce qu'on appelle l'amnésie salvatrice, c'est-à-dire l'amnésie qui sauve. Les psychiatres ne croient pas que les médicaments soient à l'origine de cette amnésie. D'ailleurs, elle s'en est très bien rappelée dans les jours immédiats qui ont suivi son interpellation. Alors, je vois pas pourquoi il y aurait une amnésie pathologique qui interviendrait secondairement. Ce qui est incompréhensible et illogique. Les psychiatres ne pensent pas non plus que les médicaments soient à l'origine du crime. Il y a une accentuation de l'irritabilité, mais pas jusqu'au meurtre. Pendant toute la durée de son traitement, qui a duré 6 mois, de juillet à décembre, où il y a eu l'acte criminel, elle n'a jamais présenté de psychose, et tous les dossiers du juge témoignent d'une bonne adaptation sociale, donc, et même familiale. Pour les psychiatres, la thèse de la psychose ne tient pas. Mais l'avocate de Sylvie Reviriego recueille un autre son de cloche. Avant ce drame, comment vivait Sylvie Reviriego ? Sa maman, Claude, qui est une femme vraiment remarquable, m'a dit « Ma fille a changé ces derniers temps. Elle avait pris des médicaments pour maigrir. Elle est passée, ça vous dit peut-être rien, mais du 42 au 36. » En taille de pantalon ? Pour une femme. Ou de jupe ? C'est parlant. Et je ne la reconnaissais pas. Et elle était devenue, pas méchante, mais agressive, même envers moi, même envers les enfants. Alors que c'était une mère tout à fait gentille, d'ordinaire, Claude Reviriego me dit, je ne reconnaissais pas ma fille. Oui, donc ce témoignage de sa mère, ça vous met plutôt sur la piste de quelqu'un qui était déséquilibré par son traitement médical, quoi. Il y avait un problème. À l'issue de leur expertise, les psychiatres estiment que Sylvie Reviriego est une personnalité de type hystéroperverse, mais qui ne souffre pas de pathologie mentale.
Elle est donc responsable de ses actes et accessible à un procès. Le juge d'instruction, lorsque nous l'avons dit qu'elle n'était pas folle, je dis bien folle est un terme, n'est pas un terme médical, a été très étonné, comme nous-mêmes d'ailleurs, et il nous a demandé de la revoir, d'ailleurs, ce que nous avons fait bien volontiers, 6 fois. En tout, Sylvie Reviriego est examinée par 2 collèges d'experts, soit 4 psychiatres. Et les conclusions du 2e collège sont identiques à celles des docteurs Masson et Martin. Lorsque vous la revoyez, elle vous confirme qu'elle a tout oublié et qu'elle est incapable de s'expliquer sur ce qui s'est passé ? Alors, lorsque je la revois environ 1 mois ou 1 mois et demi après, elle me dit qu'elle ne se souvient plus de rien. Et à ce moment-là, la réponse est toujours la même, je n'ai pas pu faire ça. C'est-à-dire qu'elle ne me dit pas qu'elle ne l'a pas fait, elle ne me dit pas qu'elle est innocente, elle ne me dit pas que c'est certainement quelqu'un d'autre qu'elle qui a fait cela. Elle me dit, je n'ai pas pu faire cela, comme si en quelque sorte, c'est peut-être moi, mais c'est, je dirais, presque mon double. C'est un autre moi. C'est un autre moi. Mais vous n'êtes pas psychiatre, mais vous avez senti chez elle un accent de sincérité ou l'air d'une manipulatrice qui est en train de vous berner ? Je n'écarte pas qu'elle choisisse cela pour assurer sa défense. Donc à la fin de votre instruction, est-ce que vous y voyez un peu plus clair sur le mobile ? Parce qu'on n'a rien à cette question. Pourquoi ? Bon, elle ne l'aimait pas. Est-ce qu'on peut aller au-delà ? Le seul mobile qu'on est arrivé à déterminer, c'était une espèce de jalousie et de sentiment ambivalent vis-à-vis de Françoise. Ambivalent, vous voulez dire qu'elle était amoureuse d'elle ? Non, pas du tout. Pas du tout. On a cette piste de la sexualité, éventuellement même de l'homosexualité, a été... on s'est posé la question. Rien. Rien, pas le moindre élément. Donc au fond, on a guère plus que de la jalousie, quoi, au bout du compte. Au final, oui, on a ça. Maître Lison Croze, le procès d'assises se profile à l'horizon. Les experts ont jugé qu'on pouvait l'amener en assise. Alors comment est-ce que vous entrevoyez votre défense ? Il y a un certain nombre de médecins qui ont dit, mais pas des experts judiciaires, des médecins à qui on a posé la question. À qui vous avez posé la question ? À qui j'ai posé la question. Hors de toute procédure. Tout à fait. Qui vont dire, ah oui, effectivement, avec ces 6 ordonnances et les prescriptions qui lui avaient été faites pour son traitement amaigrissant, oui, effectivement, elle a pu passer à l'acte parce que ces psychotropes-là avaient une influence sur son psychisme à ce moment-là. Donc ça sera ça votre stratégie de défense ? Tout à fait. Et en même temps, ça risque d'être trop tard. À partir du moment où elle est devant la cour d'assises, c'est qu'on juge qu'elle est équilibrée suffisamment pour être jugée. Mais j'ai essayé d'obtenir une expertise psychiatrique, autre, une expertise toxicologique. Autre. Autre. Ça n'a pas abouti. Le juge a refusé. A refusé, la cour d'appel a refusé. Donc au fond, vous partez aux assises avec l'argumentaire que vous auriez dû développer devant le juge d'instruction, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il est temps de juger Sylvie Reviriego, puisque les experts disent qu'elle n'est pas folle. Le procès a lieu devant les assises de Tours. Il s'ouvre le 24 juin 1991, 2 ans et demi après l'assassinat de Françoise Gendron. Dans la salle, la famille de Sylvie et le fils de Françoise. Il n'avait qu'elle. Le procès doit durer 4 jours. L'événement fait sensation et déplace les foules. Car à travers son crime, l'accusée est devenue célèbre. On la surnomme la dépeceuse de Tours. Les dépeçages, on en connaît. Petiot ou Landru ont été des dépeceurs de leurs victimes. L'aspect plus particulier de ce dossier, c'est qu'effectivement, c'est une femme sur une autre femme. C'est très rare. Je crois que c'était peut-être même le seul cas que l'on ait connu. Il faut quand même bien savoir que le dépeçage est extrêmement rare dans les annales criminelles. Ça nécessite un sang-froid, au sens propre du mot, une maîtrise de soi qui est exceptionnelle. Tout le
le monde veut voir celle qui a fait ça. La foule veut savoir à quoi elle ressemble. Et si ce monstre froid va oser affronter les regards. Faites entrer l'accusé. Cette femme m'a fait l'impression de quelqu'un d'étonnamment calme, malgré les circonstances, et tout compte fait, assez banal dans son comportement, dans son aspect. Je vais vous dire, elle n'apparaissait pas franchement antipathique. Mais sur le banc de la partie civile, Cyril Gendron, le fils de la victime, porte un autre regard sur Sylvie Reveriego. C'est un garçon qui est une boule de haine à l'égard de l'auteur de ce drame. Il n'a jamais eu de père. Il n'a pas connu ses grands-parents, qui sont tous morts avant. Il n'a ni frère, ni sœur. Il n'a personne dans la vie que sa mère. Cyril Gendron n'arrivera jamais à croiser le regard de Sylvie Reveriego, car durant tout le procès, elle baisse les yeux. Moi, je n'ai jamais vu son regard. Je suis allé au moment des interruptions de séance, je me suis promené, je suis allé face à elle et je n'ai jamais vu son regard. Sylvie Reveriego est une énigme. Le crime est trop horrible pour avoir été commis par quelqu'un de normal. Ça n'est pas possible. Qui est cette femme ? C'est une malade mentale et qu'elle mérite tout à fait les soins de la médecine. On se demande comment elle a pu faire ça, comment c'est possible, c'est tout, on la regarde, on essaye, on la voit que de dos. Au premier rang, la famille Reveriego, au complet, est venue grossir les rangs de la défense. Pour moi, ça ne peut pas être ma fille qui a fait une chose pareille, vous comprenez. Ça ne peut pas être ma fille. Je ne comprends pas. Et je veux qu'on m'explique pourquoi ça s'est passé. Je veux qu'on m'explique pourquoi quelqu'un de sensé, de gentil, de sensible a pu basculer dans une horreur pareille. Et ça, je veux le savoir. Et je veux qu'on la soigne. Et je me battrai pour ça. L'explication ne viendra pas de Sylvie Reveriego. Elle semble entendre pour la première fois l'acte d'accusation qui reprend en partie ses aveux. Le président de la cour lui dit « Voilà, vous avez dit que, vous avez fait ça. » Et à chaque fois, elle dit « Non, je m'en souviens pas. Mais si vous dites que je l'ai dit, c'est que ça doit s'être passé comme ça. » À la fin de la lecture de l'acte d'accusation, l'avocate de Sylvie Reveriego demande qu'on lise devant la cour la condamnation du médecin qui a ordonné le traitement amaigrissant. La requête est refusée, mais la ligne de défense est clairement affichée. Tout est la faute du médecin et des médicaments. Puis vient le moment de raconter le crime en détail. Silence total dans la salle. Quand on n'est pas préparé, ça choque, hein. C'est évident. Hein. C'est évident. Puis même, on a eu les instruments entre les mains. Hein. C'est impressionnant aussi. Hein. Parce qu'on se dit qu'avec, je dirais, sans si peu de matériel, parce que franchement, c'était des outils dérisoires. Le fait qu'un crime aussi horrible se soit déroulé dans un cadre aussi quotidien frappe les esprits. Déjà apparaît l'incroyable décalage entre une femme qui, pendant toutes ses journées, a continué à vivre une vie normale, avec chez elle ses enfants, des amis, des sorties au restaurant, et qui, la nuit, s'acharnait sur le corps enroulé dans une couverture sur le balcon. Bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de mauvais polars où on lit ce genre de choses, quoi. Comment Sylvie Reveriego a-t-elle pu mener cette double vie sans rien laisser paraître? On se dit, nous, elle est folle. Elle était en état de démence à l'époque, c'était l'article 64. Donc, on se pose la question et on attend avec beaucoup d'intérêt les expertises psychiatriques. Mais ce sont les toxicologues qui témoignent en premier. Ils viennent dire à la barre ce qu'ils ont écrit dans leur rapport. Oui, dans des cas extrêmes, un cocktail de médicaments peut créer des troubles psychiques. Mais rien n'indique que l'accusé fasse partie de ces cas extrêmes. Ils m'ont convaincu que
l'accusé avait peut-être une petite part d'irresponsabilité. Que les médicaments aient été déclencheurs, peut-être pas, mais que les médicaments lui aient permis de se désinhiber de certains tabous qu'on a en soi, certainement, certainement. C'est le tour des quatre experts psychiatres qui viennent redire que pour eux, l'accusé est responsable de ses actes. Ils affirment que Sylvie Reviriego est une personne très lucide qui n'a jamais souffert de psychose médicamenteuse. C'est extrêmement technique, très ennuyeux souvent, mais incontestable. La défense va s'acharner à décrédibiliser les experts, mais elle manque d'arguments. Il était apparu évident, d'après les lectures des expertises, que la défense allait se faire tailler en morceaux et qu'elle n'avait pas en face les munitions suffisantes pour contrecarrer des experts qui, quand même, tenaient la route. Pour contrer un expert en pharmacologie, il faut avoir aussi un expert en pharmacologie. Ça n'a pas été le cas. Pour contrer les expertises psychiatriques, il faut aussi avoir des experts psychiatriques qui tiennent la route. Ça, il n'y en avait pas. Il y a un témoin absolument clé, absolument important, qui est le médecin généraliste, qui a été condamné par le Conseil de l'Ordre pour prescrire des traitements amaigrissants, des cocktails de médicaments absolument terribles, qui a été interdit d'exercice par le Conseil de la médecine pendant 3 mois. Il n'est pas convoqué à l'audience. C'est absolument incroyable. À l'audience, les experts répètent que les médicaments ne sont pas responsables. Et tous les observateurs disent qu'ils sont très convaincants. Vrai ou faux ? Ils sont convaincants parce qu'ils sont péremptoires et ils ont la qualité d'experts. Or, à cette époque, encore plus que maintenant, on ne remettait guère en cause les techniciens, les avis expertos. C'est quelque chose, bon, les experts n'étaient pas critiqués. Vous avez essayé de faire venir vos experts à vous ? Oui. À la barre ? Oui. Ils sont venus ? Non. Pourquoi ? J'ai essayé de faire entendre Sylvie, qui était incarcérée, par le professeur Ollier de l'hôpital Sainte-Anne, qui disait, lui, qu'avec ce qu'elle avait pris, ça pouvait engendrer effectivement un état psychotique sévère. Donc, le professeur Ollier n'a pas pu voir Sylvie Reviriego parce qu'on lui a refusé un permis de communiquer avec elle. Le professeur Ollier m'a dit, à partir du moment où je ne peux pas voir Madame Reviriego à la maison d'arrêt, je ne peux pas venir à la barre. Je ne veux pas aller à la barre sans avoir vu la patiente auparavant. Tout de même, elle a prémédité ce geste. Que le passage à l'acte ait été commis dans un état de déséquilibre psychique, c'est une chose. Mais il y a des éléments de préméditation. Bon, elle a shooté Françoise, comme elle l'avait d'ailleurs dit par avance à certains de ses amis. Elle a volé un scalpel à l'hôpital qu'elle a amené à la maison. Tout à fait. Et ça fait partie... C'est cette préméditation qui a été retenue par la cour d'assises, ça fait partie du délire dans lequel elle se trouvait à ce moment-là, puisqu'elle a tué Françoise, malheureusement, un lundi, et le dimanche, c'est-à-dire la veille, elle expliquait à une jeune fille qu'elle avait en garde, qui est âgée d'une vingtaine d'années, ce qu'elle allait faire le lendemain. Donc ça a été retenu au titre de la préméditation, mais ne pensez-vous pas que quelqu'un qui s'exprime comme ça en disant « je vais la tuer, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais prendre le scalpel, je vais la vider de son sang, je vais... » C'est quelqu'un qui raisonne, certes, mais faux. C'est quelqu'un qui est atteinte psychiquement. Georges-Alexandre Imbert, vous n'étiez pas au procès, mais vous êtes le président de l'Association d'aide aux victimes des accidents et maladies liées aux médicaments. Alors précisément,
Pour ce qui est des médicaments qu'a pris Sylvie Reviriego, ce cocktail qui était destiné à la faire maigrir, hein, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les effets que ça a pu avoir sur son passage à l'acte? Ben, les effets, déjà, avant le passage à l'acte, ces médicaments favorisent une sorte de préméditation. C'est-à-dire que le comportement, pendant plusieurs mois, le comportement de Sylvie, a complètement changé. Et ça, c'est tout à fait habituel à ce type de produit. On appelle ça, en psychiatrie, faire un passage à l'état maniaque. Donc on aurait dû arrêter le traitement. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait et elle a complètement déraillé. C'est-à-dire que, quelque part, les médicaments ont pu favoriser chez elle une forme de délire, l'amenant à préparer cet assassinat. Oui, alors en France, c'est très peu reconnu par les médecins psychiatres qui ont une formation en médecine légale qui ne va pas dans ce sens. Les magistrats et les experts, les médecins experts, ne prennent pas en compte la dangerosité de ces produits. Par contre, aux États-Unis, il y a eu des condamnations liées à certains produits. Un laboratoire a été condamné à verser plusieurs millions de dollars à une personne qui avait assassiné sa mère alors qu'elle était sous l'empire de d'un tranquillisant. Vous iriez jusqu'à dire qu'il ne fallait pas la condamner, la considérer quasiment comme une malade mentale parce qu'elle avait pris ses médicaments? C'est beaucoup plus grave que cela. Je pense qu'elle était, au moment des faits, elle n'était pas responsable du tout. C'est la prescription. Il faut remarquer quand même que dans le cas de Sylvie Reviriego, c'était une prescription interdite par le Code de la santé publique. Donc le médecin a disparu, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et la pharmacie qui a délivré le traitement n'a pas été poursuivie. Alors ça, c'est quand même une anomalie, on aurait dû poursuivre, au moins pour faire un exemple. Il est pensable, j'ai envie de dire moralement, de disculper quelqu'un qui a commis un crime aussi atroce parce qu'elle prenait un tranquillisant? C'est absolument... Moi qui ai été souvent cité en cour d'assises, c'est très difficile parce que les familles veulent un coupable. Donc ils tiennent un coupable. Si on leur dit que l'État est responsable pour avoir laissé ces produits sur le marché ou que le médecin ou l'hôpital, ce n'est pas un coupable. Donc il faut un coupable. Mais les psychiatres ont convaincu la cour que Sylvie Reviriego n'est pas folle. Alors que s'est-il passé? Quand on lui demande pourquoi elle a tué Françoise Gendron, l'accusée répète « Je ne sais pas, je ne me souviens pas ». Devant l'insistance du président, elle murmure dans un sanglot « Ça n'est pas possible que j'aie pu faire ça, je n'avais rien contre elle ». On n'en saura pas plus. On voit cette femme... muette, il aurait pu avoir une photo d'elle, c'était pareil, quoi. Ce sur quoi on a été totalement déçu, c'est qu'elle a refusé totalement, elle a barricadé le coffre-fort à triple tour, elle ne nous a rien laissé voir de ce qui l'avait amené à faire ces gestes extraordinaires. L'avocate de la défense ne pousse pas sa cliente à s'exprimer. Elle plaide le coup de folie médicamenteux. Rien d'autre ne peut expliquer le crime. Dans ma carrière professionnelle, j'ai connu beaucoup de crimes abominables. J'ai peu connu de criminels abominables. Et toute la question était là. Et puis la défense devait, sur ce plan-là, faire parler, à sa place peut-être, faire parler Sylvie Reviriego. J'ai le sentiment qu'elle ne l'a pas fait parler. Elle a parlé des médicaments. Elle a oublié qu'il y avait derrière les médicaments quelqu'un qui prenait les médicaments. Alors concernant votre stratégie de défense, au fond, on pourrait vous reprocher de vous être enfermé dans cette idée que puisque les médicaments avaient atteint son psychisme, il fallait en tenir compte. Mais vous auriez pu plaider d'autre chose. Finalement, cette femme avait une enfance douloureuse, elle avait la polio, elle pouvait être jalouse de Françoise, elle pouvait s'être sentie trahie par son mari. Enfin, il y avait des tas de choses à plaider qui pouvaient atténuer sa responsabilité. Tout ça, vous y avez un peu renoncé, en fait, au profit de cet argument des médicaments. L'argument des médicaments a été prégnant, c'est exact, mais la personnalité de Sylvie a aussi été mise en avant. Puisque j'avais fait venir des collègues de travail de Sylvie, des membres de sa famille, qui ont témoigné de sa gentillesse naturelle,
de son implication dans les soins donnés aux malades. Elle était aide-soignante, n'oublions pas. Et tout le monde disait du bien d'elle. Donc ça a été mis en avant. Et dans les psychotropes, il y a cet aspect, ça rend très agressif, plus qu'agressif, puisque ça va jusqu'au meurtre. Et il y a des exemples, hein, depuis, qui ont été donnés. Mais ça a aussi un effet désinhibiteur, ces psychotropes. C'est-à-dire que Sylvie, parce qu'il y a quand même l'explication qu'elle a donnée, Françoise, elle était chiante, pardonnez-moi. Voilà ce qu'elle a dit aux policiers. Elle était pot de colle. Bon. On a tous eu, un jour ou l'autre, envie de passer quelqu'un à la moulinette parce qu'il nous faisait suer, quoi. Mmh. Mais de là à le faire, on a toujours une petite étincelle qui nous dit non, on a des défenses. Et là, ces psychotropes, ces médicaments psychotropes, hein, amphétamines, hormones et benzodiazépines ont fait tomber toutes ces défenses. Mais si on écarte la piste de la psychose médicamenteuse, quels sont les ressorts de ce crime ? J'ai eu le sentiment que la victime et l'auteur du crime étaient des personnes un peu paumées, qui n'avaient probablement pas un équilibre de vie de tout un chacun, et que c'est un engrenage qui s'est mis en route et qui était jusqu'au bout de l'horreur, quoi. Le mobile, ben c'est quelqu'un qui a peut-être empiété sur sa vie trop, jusqu'au point que elle n'a pas trouvé d'autre solution que de l'éliminer. Moi, je pense que c'est de la jalousie, hein, par rapport au bien-être de maman, malgré toutes les difficultés qu'on avait. On prenait tout bien, on était contents de vivre et tout ensemble, on s'aimait. Et puis, à mon avis, elle supportait pas ça parce que, bon, bah, elle avait plus d'atouts pour réussir. En fin de compte, elle était mal dans elle et elle vivait moins. Elle vivait la vie moins bien, en fin de compte, malgré qu'elle ait beaucoup plus de choses que nous, on avait. Pour moi, c'était une jalousie qu'elle avait. Envers la façon dont on vivait, avec rien, en fin de compte. Rien qu'avec de l'amour. Mais quelle sorte de jalousie peut conduire à un tel crime ? Les criminologues s'accordent pour dire que dans le dépeçage, il y a sans doute un aspect sexuel. Le professeur Froger a soulevé la seule fois dans le procès, et probablement la seule fois au cours de l'enquête, le problème de la relation amoureuse au niveau symbolique entre les deux femmes, et relation donc homosexuelle. Et le fils de la victime a raconté cette histoire, qu'un jour il avait téléphoné à sa mère, et il était tombé sur Sylvie Reviriego, qui ne l'avait pas reconnue au téléphone. Et il avait dit, mais c'est incroyable, elle a eu une réaction de colère, elle a dû penser que j'étais un des copains de ma mère. Et donc elle lui avait fait une scène au téléphone assez importante. Sylvie Reviriego avait-elle une homosexualité latente qu'elle ne voulait pas assumer et qu'elle a réglée par le meurtre ? Quoi qu'il en soit, les débats se terminent. Le mobile du crime demeure une énigme. C'est l'heure du réquisitoire. Pour l'avocat général, il n'y a pas de circonstances atténuantes. J'ai estimé qu'il n'y avait pas d'excuses à cela. Il n'y avait pas d'excuses à un projet aussi affreux qui avait été mis en place de façon aussi étudiée. On avait volé des scalpels, on avait attiré chez soi Françoise Gendron, on avait prévu la baignoire. En revanche, on n'avait pas l'expression de Sylvie Reviriego elle-même. Qui était-elle ? Pourquoi avait-elle agi ? C'était à elle de nous donner ces explications qu'elle ne nous a pas données. J'ai estimé face à cela que mon devoir était d'aller au maximum de la peine encourue. Il demande la perpétuité. Maintenant, c'est à la défense d'essayer de convaincre les jurés. Elle joue une dernière fois son va-tout, son unique carte, l'article 64. Je souhaite une déclaration de non-culpabilité parce qu'elle était malade, qu'elle est toujours malade, et je veux qu'elle aille en hôpital psychiatrique.
Il suffit de combien de jurés ? 5. 5 jurés. Qui votent non à la première question. C'est-à-dire ? Sylvie a-t-elle donné volontairement la mort à Françoise Gendron ? Je pense qu'elle ne l'a pas donné volontairement. Elle l'a donné, mais pas volontairement. Mais les jurés ne sont pas de cet avis. Ils suivent les réquisitions de l'avocat général. Perpétuité pour Sylvie Reviriego. Je suis content que je ne vais pas avoir la possibilité de faire ce que j'aurais fait si la justice n'avait pas fait son travail comme elle l'a fait ce soir. Je suis content, très content. Pour la famille de Sylvie Reviriego, le verdict est un choc. Je ne croyais quand même pas qu'il y aurait un verdict aussi dur, je ne pensais pas. Je pensais quand même que les plaidoiries de nos avocats qui expliquaient, maintenant je sais ce qui s'est passé, je pensais quand même 10 ans, je me disais peut-être que 10 ans, peut-être. Je savais très bien qu'elle ne sortirait pas libre. Maître Lison Croze est tombé dans les bras en pleurant. Elle était bouleversée. C'était un dossier qui lui tenait particulièrement à cœur, sur lequel elle s'était investie particulièrement et sur lequel, je crois, elle s'est quand même plantée. Sylvie Reviriego ne réagit pas. Elle quitte le tribunal sans un mot, ni un regard. Imaginez que les jurés vous aient entendu et qu'il l'ait acquittée. Peut-être serait-elle allée dans un premier temps en hôpital psychiatrique, mais une fois le traitement terminé, elle avait retrouvé son équilibre. Elle serait dehors après avoir tué sa meilleure amie, l'avoir coupée en morceaux, avoir fait cuire sa tête au four. Il faut choisir. Il faut choisir si on se situe au moment des faits pour apprécier le degré de culpabilité de quelqu'un. Ou si, ad vitam aeternam, on doit lui faire porter la croix parce que, dans un état autre que son état habituel, il a fait un geste horrible. Aujourd'hui, Sylvie Reviriego est toujours amnésique de son geste ? Non. Elle dit, elle sait que c'est elle, mais est-ce que c'est par tout ce qu'elle a lu ou est-ce que c'est par ses souvenirs ? Ça, je ne pourrais pas vous dire... exactement ce qu'il en est. Sylvie Reviriego est toujours détenue. Condamnée à perpétuité, elle est en principe libérable sous le régime de la conditionnelle depuis la fin 2003. Mais jusqu'ici, toutes ses demandes ont été rejetées. Mmh. Mmh. Mmh.